Allez, on continue Sea of Stars. Alors, j'ai nommé ce stream La Mer Noire, évidemment, en référence à ce spectaculaire moment de télévision. En imaginant qu'on allait sûrement partir en mer dans ce stream, vu que c'était le but de l'histoire. Mais j'aurais tout aussi bien pu l'appeler La Roulette. Coup plus de roulette. Parce qu'évidemment, j'ai plus qu'une envie, c'est de faire toutes les roulettes du jeu. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un message d'abonnement. Merci Lola. C'est très généreux de ta part, d'autant qu'on se connaît pas. Ça veut vraiment dire que t'apprécies mes streams, c'est cool, merci. Ça me touche. Ouais, on va partir en mer et qui sait ce qui va se passer? C'est la mer qui prend l'homme, comme disait un fameux poète français. Putain, ça va, ils sont pas trop compliqués sur leurs règles d'admission dans leur équipe, hein. On leur amène une petite pièce pour aller s'acheter à boire et c'est parti. On est des pirates. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire d'île au spectre. J'espère qu'il y a des roulettes sur l'île au spectre. Oh, le bateau tout clacos. Mais je pense que celui-là il va même pas nous amener jusqu'aux chiottes à côté du village et il va nous. Il va s'échouer avant, hein. Les petites chiottes flottantes. Bah, je crois que c'est bon, hein. J'ai fait tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire gagner la pièce de roulette, donc c'est parti. Je suis pas sûr de comprendre cette phrase, mais bon. À chaque fois, j'oublie que le mec s'appelle Kinatan et à chaque fois, je suis choqué quand je lis son nom.
Alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les gens le font quand même? Et d'ailleurs, je me posais la même question, vu qu'avant de venir sur le stream, pour des raisons que j'ignore, j'étais en train de me perdre sur YouTube. Et je regardais des vidéos de mecs qui vont se perdre au fin fond des caves, vous savez, les trucs de spéléologie, là. Et j'ai vu une histoire très amusante où un mec s'est bloqué au fond d'une caverne en rentrant dans un trou qui faisait la taille d'un... un trou à rat, quoi. Il s'est bloqué à l'intérieur et il y est mort. Et je me demandais pourquoi les gens... pourquoi... Donc effectivement, c'est une question profonde. Dans un trou, dans une sorte d'ANU, ouais, c'est ça. Et le mec, en fait, il est parti dans cette cave avec son frère, je crois. En fait, à un moment, il s'est trompé de chemin. Donc, en fait, il pensait qu'en continuant, en insistant à 100% dans son trou, il allait arriver à une sortie. Il s'est retrouvé bloqué. Il y a eu genre 30 secouristes qui ont essayé de venir le sortir, mais voilà, il était bloqué. Si ça t'intéresse, tu pourrais aller regarder, ça s'appelle Nutty Petit Cave. Tu cherches la mort de Nutty Petit Cave et tu vas voir la merveilleuse histoire de ce jeune homme. Ça fait rêver. Même moi, j'ai pris déjà un ticket pour aller faire un peu de spéléo cet hiver. Bah alors Karl, on a les chocottes. On a un petit peu une flippette. Bah, j'espère, hein. J'espère qu'après cette mission, on sera libre et on sera libre d'aller visiter le monde pour faire toutes les roulettes qui existent. Honnêtement, je pense plus qu'à ça, hein. Je vais pas vous le cacher, l'histoire, bon, voilà. J'ai même failli appeler le stream le jeu de la roulette au lieu de Sea of Stars, pour que ce soit plus clair, quoi. Ah, le Vespertin, le fameux Vespertin. Bah moi ça va, en fait tant que je rentre dans un trou que j'ai pas besoin de me dire est-ce qu'il faudrait pas que je mette de l'huile ou du savon autour pour pouvoir en sortir, je suis ok, mais bon. Après c'est vrai que ça devient rapidement une autre histoire. Enfin bon, retour au jeu. Que vous croyez que c'est fait exprès, qu'il répète sans arrêt ou je ne m'appelle pas Kinatan parce que. Vraiment, si je m'appelais Kinatan, je serais pas fier de mon nom, quoi. C'est pas un truc que je lancerais à chaque fin de phrase. Ah, les souterrains du jeu. Tu parles de la caverne des hommes top, peut-être?
Et c'est comme ça que nos trois valeureux compagnons arrivèrent sur l'île. Je vais pas m'avancer, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le dernier hôte, hein, parce que sinon le jeu ne durerait pas très longtemps. Mais peut-être fais-je fausse route. Non, mais moi je sens vraiment que le bon vieux Karl, il va se passer une dinguerie et qu'il va, hein, il va passer du côté obscur, c'est sûr. Ils l'ont fait trop téméraire, trop gentil, à mon avis. Je le vois mal rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Il va manger une petite saucisse empoisonnée sur l'île du Spectre et c'est fini, hein. Et non, c'est Karl, Karl Lagerfeld. Il y a Valoche, Valérie Pécresse, et il y a Zell, le Zélé, et il y a Karl. On n'a jamais vu personne qui s'appelle Garl, ça n'existe pas. Oh putain, il y a une ville. Il y a une ville sur l'île du Spectre avec une taverne. Et ça, si mon odorat canin ne fait pas fausse route, ça veut dire qu'il y a une roulette. Alors je suis désolé, mais pour l'instant c'est un peu tout ce qu'on a fait, des pauses. Hein. On s'est posé à l'île des... Enfin, au village des hommes top, on s'est posé à la ville portuaire. On a fait quelques donjons, mais... Alors, elle est bizarre cette île parce qu'ils nous l'ont annoncé comme une île démoniaque où il y avait un hôte à tuer, etc. Et en fait, il y a une petite ville pépère, il y a des villageois apparemment. Ah, est-ce que je vais pouvoir réussir au moins une fois à taper un monstre par derrière pour avoir l'avantage? Non, je peux pas, hein. C'est quoi ce verrou dégueulasse qu'il a lui? Avec quoi j'enlève ça?
Est-ce que c'est Karl qui a le pouvoir des morts? Ah merde, je pensais pas que je pouvais descendre là. Ah, j'avais même pas vu. Pourquoi cet emoji? Est-ce que c'est... tu découvres les emojis de la chaîne ou c'est... Il y a un message caché derrière. Ah, les casse-couilles. En plus, ils sont idéalement mal placés pour pas que je puisse faire des trucs qui les touchent les trois. Thank you.
Ah bah ils étaient teigneux ceux-là, hein. C'est-à-dire que j'ai pas combattu de manière optimale non plus. Ah d'accord, c'est ce genre de village. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un de ces objets qu'il faut avoir, qu'il faut acheter en collection dans chaque boutique? En même temps, ça coûte hyper cher, hein, donc c'est pas comme si j'avais la possibilité. Ah, mais j'ai ça à vendre.
suis en train de me dire que ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de Tix. Et qu'on n'a pas trouvé d'histoire à lire. Je sais pas si j'en ai raté ou si c'est juste... Si c'est juste que j'ai passé trop de temps à la roulette. Ouais, mais t'es pas prête parce que là, à mon avis, il y en aura une dans la ville, hein, donc prépare-toi à passer 20 minutes devant en très peu de temps. Moi j'adore faire aller faire un petit plouf dans les égouts dès que j'en ai l'occasion. Hein. Toujours un vrai plaisir. Je suis sûr qu'il y a un passage secret quelque part ou une conque. C'est sûr! Allez! Bon, mais il est pas très grand ce village, heureusement. Du coup, j'imagine que ça, c'est la taverne. Hein. Je l'ai gardé pour la fin. Est-ce que j'y suis allé là-haut? Je sais plus. Je crois. Hein. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu en bas à gauche. Mais c'est pas le même Alfred que dans la ville d'avant, là? Bonsoir Mathieu. T'arrives pile à l'heure pour la roulette. Quelle chance. Non, la pêche, j'avoue que vu qu'on est arrivé dans une ville un peu fantomatique, à part pêcher dans les égouts, je vois pas trop où c'est qu'on pourrait trouver un lac. Mais ça se trouve, il y en aura un. Ouais, mais pour résumer, je suis juste parti de la ville, de la grande ville, là, de Brisk. On est parti en bateau et on est arrivé sur cette île des spectres et apparemment, il y a un village dans l'île, donc on est au village.
t'as pas raté grand chose. Évidemment qu'il joue de l'accordéon, on s'attendait pas à le voir jouer de la guitare électrique, hein, avec un nom pareil. Il aurait pu jouer du banjo, un truc comme ça, mais... Ah mais les vivants sont poulpes en fait, je pensais que c'était juste une décoration. Ouais, moi j'y pense tellement souvent à la purification que je me suis acheté un petit anneau de purification. Ou un anneau de pureté. Très pratique. On va jouer à la roulette. Et elle est où Tix? Elle est pas venue en fait ou quoi? Je suis désolé mais c'était mon personnage préféré donc... Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de parler aux poulpes dont on ne sait rien. Ah, ben voilà. Ouais, je vais laisser celle-là, ça me rappelle un petit peu Suikoden. Je lui ai parlé à elle ou pas? Ah oui. J'espère que si je monte, ça fait pas avancer l'histoire. Vu qu'il y a une option pour dormir, j'imagine que non. Très cosy hein, ce petit hôtel. Tu vois Lola, ça c'est un hôtel. À ne pas confondre avec un hôpital.
Bon, bah, je crois que le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Et que la chance soit avec nous. Alors, on va tester de l'archère, hein, parce que. Plutôt que le guerrier, parce que je trouve que le guerrier servait pas à grand chose en fait. Lui, c'est quoi qu'il a? C'est un assassin en haut à droite? J'avoue que j'ai pas lu du tout ce que ça faisait un assassin. Ah, j'ai l'impression que son coup il est passé un peu comme le mage, il y avait un petit coup derrière la palissade. Bah alors c'est ça le mode expert, je suis un peu déçu là. Roulette en bronze. Ça fait quoi? Roulette en bronze. Alors les figurines, je comprends bien ce que ça fait, mais qu'est-ce que ça change d'avoir une roulette en bronze? Je pense pas que ça puisse changer la difficulté ou le... C'est peut-être juste décoratif.
Est-ce que c'était un des mecs numéro 2, numéro 3, un truc comme ça? J'ai pas compris trop ce que c'est son bail à lui, c'est Monsieur Denis ou quoi? Ah, ou alors ils sont tous comme ça. Elle a une voix, enfin en tout cas un son de texte encore plus aigu que celui de Tix. Oh, mais qu'est-ce que je vois en haut à gauche? Ne serait-ce pas là un petit lac de pêche? Poste du passeur. Alors, tous ces lieux font très envie, hein, le bois maudit, le temple du solstice, la caverne d'Ali Baba, mais j'avoue que le petit point de pêche. Oh là 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 là. Il y a des anguilles, du goujon. Non mais non, j'ai ma petite mon petit rituel d'aller faire un plouf quand même. C'est ça un vrai pêcheur, on va d'abord un petit peu faire connaissance avec les poissons, on se baigne un peu avec eux, on devient un peu poisson soi-même, et ensuite on peut se mettre dans leur peau pour pouvoir mieux les pêcher. C'est une technique d'expert. Hein. Ah putain, mais c'est des sacs d'os! C'était quoi le dernier truc? Ah, ça ressemble plus à un vrai poisson. Est-ce qu'on voit un truc qui ressemble à ça dans la flotte? Peut-être à droite là-bas.
Peut-être pas autant à droite. Je vous jure que c'est pas évident de contrôler l'atterrissage. Hein. Oh. Merde. Et c'est quoi ce délire là? Ah, je crois que c'est un comme ça qu'il me faut. Inspecturgeon. Inspecturgeon. Bon, mais voilà. Mon engagement est tenu. Alors, les bois maudits, le chemin du passeur ou le temple du solstice. Mais je pense que le temple du solstice, déjà, on pourra pas y aller parce que c'est sûrement le gros truc de l'histoire, donc ce sera sûrement fermé. Et j'aimerais bien aller voir d'abord ce petit spot en bas à droite là. Ça se trouve, je vais y trouver le biscuit que cherchait le fantôme dans le village. Qu'est-ce que... C'est quoi cet endroit hein? Et pourquoi je peux y descendre? Oh, c'est encore bloqué. Bon, ben, je vais quand même essayer le temple du solstice pour voir, mais à mon avis, il faudra aller dans les bois. Hein. Ça a l'air un petit peu, ouais, mais après, vu qu'il y a une map monde, etc. Je pense que c'est comme dans la plupart des RPG, c'est-à-dire que le début est très très sur des rails. Et après, une fois que t'as passé un certain cap de l'histoire, ça s'ouvre beaucoup et tu peux faire des trucs dans l'ordre que tu veux, quoi. Enfin, j'espère. Ah! Ah, c'est sûr qu'il y a des trucs cachés là-dessous. Eh bien non. Alors celui-là, je l'ai bien vu venir, mais j'ai quand même pas réussi à l'esquiver. C'est assez problématique, hein.
Ah mais j'ai fait de la merde là. Comment ça se fait que j'ai touché qu'un mec? Ah bah j'avais pris le bon chemin sans le savoir. En même temps j'avais pas trop le choix. Je suis désolé, je suis un petit peu obligé de fouiller dans tous les recoins parce que des fois ils nous cachent des conques dans des buissons, des trucs comme ça, donc... Et vu qu'ils adorent jouer avec la perspective apparemment et cacher des trucs... Je suis un petit peu obligé de vérifier. Bon, vous l'aurez remarqué, j'avance sans sauvegarder comme un gros bâtard, hein, parce que ça me saoule un petit peu de sauvegarder toutes les deux secondes. J'aimerais bien me sentir un peu courageux, quoi. Donc j'espère que je le regretterai pas dans 5 minutes, quand je me serai fait défoncer le fion par un boss. Toi déjà tu vas aller avec tes potes à droite. Je me demande si tous ces monstres, c'est pas plutôt la lumière qui serait leur faiblesse, mais... Ah, il y a encore ce verrou bizarre là, en bas à droite. Celui-là, je sais pas trop comment l'enlever. Pourquoi je lui ai enlevé aucun verrou? C'était le mec du haut qui avait les verrous en fait. Ah ouais, non mais là par exemple c'est mal fait parce que moi j'étais vraiment persuadé que c'était le mec de droite qui avait les verrous. Mais en fait c'est le monstre du haut. Mais c'est placé au milieu. Donc c'est dur de le savoir.
J'aimerais bien savoir aussi combien de fois je fais rebondir le Lunrang, parce que j'ai du mal à compter. Enfin, je compte pas en fait. Et j'ai toujours le petit projet de réussir à faire le trophée, quand même. Des fois, j'ai l'impression que je suis assez proche quand même. Ouais, non, là je sais que j'y étais pas du tout, hein. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la sauvegarde tout à l'heure? Parce que là je suis un petit peu. Voilà, j'ai plus de vie, j'ai plus de mana. Mais c'est pas grave, ça doit faire peut-être 3 heures de jeu que j'ai pas utilisé un seul objet, donc on va se régaler, hein. Ça c'est peut-être un petit peu du gâchis parce que ça peut être très utile en plein combat de pouvoir soigner tout le groupe. Et il faut définitivement que je porte moins de confiture parce que je m'en sers pas en fait. Non mais moi je suis un old school gamer, tu vois, donc à la belle époque, on n'avait pas autant de sauvegardes dans les jeux vidéo, dans les RPG, tu vois. Il y avait un petit peu de frisson quand t'arrivais face à un boss, de savoir si t'allais réussir à le battre. C'est vrai que les jeux modernes, j'ai un peu de mal avec ça. Bon voilà, ça ira pour l'instant, tant pis si je vais récupérer du mana sur Zell en attaquant les monstres. Sauf si sauf évidemment si le prochain monstre c'est un boss, mais je suis arrivé par où en fait? Ouais, les cartes mémoire, mais t'as quand même connu les cartes mémoire toi aussi, hein, tu vas pas me faire croire. Ah, c'était à droite. Pour ouvrir les ronces. Ouais, moi aussi, voilà des RPG où j'avais passé peut-être 4 heures sans sauvegarder et puis je me faisais tuer. Alors sur le coup, évidemment, j'étais dégoûté, hein, j'avais envie de mourir, mais c'est vrai qu'après, c'est des souvenirs qu'on se remémore, quoi. Ah oui, là c'est différent. Et tu peux en parler à Lola d'ailleurs parce que ça lui est arrivé il y a 2 jours. Elle a quitté son hôpital sans sauvegarder. La coquinette. si franchement Lola, dans les jeux modernes, tu peux pas avoir un combat sans avoir une sauvegarde juste avant ou juste après quoi. Et puis en plus, il y a des sauvegardes automatiques, donc franchement, si tu meurs, c'est vraiment que tu l'as cherché. C'est un petit peu dommage, quoi. Sauf des jeux genre Dark Souls ou des trucs comme ça qui sont vraiment faits pour la difficulté. Bah en fait, si, on a découvert qu'il y avait des sauvegardes automatiques, mais il fallait les paramétrer pour que ce soit plus. Tu vois, c'était paramétré sur 6 mois de base. Tous les 6 mois, il y a une sauvegarde. Et on pouvait mettre genre 3 mois, 1 mois.
que Lola n'avait pas fait, et donc du coup, vu que sa sauvegarde à elle c'était tous les ans, ben elle a perdu quasiment un an de jeu, quoi. Un an dans le jeu, évidemment, pas un an réel. Je crois que je vais me garder la petite lumière salvatrice pour quand Carl sera réveillé de son profond sommeil. Enfin, s'il survit jusque-là, évidemment. Eh bien non. Putain, j'ai vraiment cru que j'étais mort, ok. Je crois que là, j'ai pas trop le choix de prendre un truc. On peut pas fuir les combats dans ce jeu, je crois. Hein. Ah mais il va crever lui, ça fait 10 tours que je laisse jouer alors qu'il est quasiment mort. Je vais quand même attendre que Carl se réveille parce que c'est le seul moyen de faire le combo, je peux pas le faire en dehors des combats, donc je vais attendre un petit peu. Comment je pourrais faire d'ailleurs pour attendre ? Je peux pas. Bon, c'est un peu du gâchis, mais... Et non, je suis full MP en plus. Est-ce que je peux gâcher ? Ouais, ok. Ah, ça y est. Ouais, et moi j'ai tellement connu la période des sauvegardes et des cartes mémoire que parfois je peux vous avouer que quand une carte mémoire meurt, ça surprend. Surtout quand on joue à des jeux longs où on joue plus de 70-80 heures. C'était un petit peu frustrant. Là je comprends pas, j'ai vraiment appuyé pile au bon moment et ça a pas bloqué du tout l'attaque. Ah ouais, sur les sauvegardes, en plus c'était surtout les cartes mémoire PlayStation, il y avait peut-être, je sais pas, une douzaine de jeux dessus quoi. C'est vrai que c'était...
Toujours un petit peu le stress quand on démarrait le jeu, voir si la carte mémoire marchait encore. En plus, ça coûtait hyper cher, les cartes mémoire. En écu, tu veux dire quoi, la monnaie, l'écu de la Rome antique ou je ne sais quoi? Non, je suis pas si vieux que ça quand même. Moi, c'était des sesterces, je crois, à l'époque. Ah, j'ai réussi. D'accord, faut vraiment passer derrière les ennemis pour les surprendre, quoi. Ok. Mais oui Lola, il faut compter les boomerangs parce qu'il y a un trophée quand tu le fais 25 fois d'affilée. En plus je dois vraiment être nul parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui l'ont eu ce trophée, donc c'est pas non plus un truc impossible quoi. Et je crois même qu'à 25 ça se... tu peux pas en faire plus en fait, c'est la fin du tour donc... Donc c'est peut-être pas la peine de compter en fait, hein. Si je vois que le truc s'arrête tout seul c'est que... C'est que c'est bon. Ça, c'est impossible à parer, hein. Je sais pas s'il y a moyen, mais... Allez, encore une petite conque. Ouais, il y a un moment, ça devient vraiment très rapide. Hein. C'est compliqué de compter. Oh, je suis perdu, je viens d'en bas. Oui, je viens d'en bas, ok. Je croyais que je venais d'en bas pour enlever des ronces, justement. Non, je confonds. Oh, je sais plus, je vais aller voir en haut de toute façon. Ah, mais déjà c'est bon signe, ça veut dire que j'étais au moins à 18-19 quoi.
Est-ce que vous aimez les papillotes? Vraie question, parce que moi j'aime pas ça. Donc. Et j'aime ça ni en bonbons, ni en viande ou trucs comme ça. Alors c'est un petit peu embêtant pour l'instant que j'ai que Zelle qui puisse faire des coups de... enfin des... faire sauter des verrous épais parce que... Des fois c'est un petit peu gênant, alors peut-être que j'aurai un quatrième personnage après qui pourra... donner des coups d'épée par exemple... la chef des pirates. Je sais pas trop quoi faire là, y a pas grand chose d'intéressant que je pourrais faire à part faire des dégâts. Let's go.
Eh ben dis donc, ils sont chiants les ennemis ici. Et pourtant, j'ai vraiment toutes les meilleures armures que je puisse avoir, ou les meilleures armes. C'est quand même pas facile. J'avoue que je suis paumé, je viens d'où en fait? D'où c'est que je viens? Peut-être que je venais de là et que j'ai fait un petit tour après? Voilà, j'ai pas trop le choix, je vais prendre un truc de groupe hein, parce que. Sinon, je suis mort, je pense. Je suis tiraillé parce que je pourrais soigner Zell, mais en même temps l'autre il va mourir dans un coup, donc ça éviterait qu'il attaque. Je vais juste espérer que le monstre qu'il attaque pas Zell ensuite, si possible. Quoi, il est pas mort? Ah ouais. 3 points de vie.
Ça se passe pas très très bien ces combats, hein. J'ai un peu peur du boss, j'avoue. Oh putain, ça y est. Ça y est, gare la tournée est devenue Dark Vador. Tiens, tiens, est-ce que ce serait pas notre nouveau compagnon qui serait capable de péter les verrous avec une tête de mort dessus, avec son poison? Ah, désolé Mathieu si t'étais aux toilettes, mais Garl nous a quittés. Et voilà, on a enfin un nouveau personnage.
le personnage sans nom. Qui n'a pas l'air très très puissante, hein. Bah disons Garl, on est un petit peu en train de le porter sur notre dos là, donc ça... Déjà ça doit pas être facile. Mais en plus il est pas trop en état de se battre, pour l'instant. Ok, toutes ces attaques, enfin toutes ces compétences font du poison apparemment. Et cette compétence en particulier est assez intéressante parce qu'elle peut retarder le tour d'un ennemi apparemment. Désolé, je sais qu'on est pressé, mais quelques petits champignons, ça n'attend pas. Tu vas nous le dire ton nom, Yuffie, là, ou pas? C'est Rai-chan. C'est marrant qu'il lui donne un nom aussi japonais alors que tous les autres personnages s'appellent Valoche, Jean-Michel,
C'est quoi bouclier lunaire? C'est un truc entre Valoche et Sérail? C'est où déjà? Ah oui. Ah non, c'est un truc de soin. Enfin, j'ai un truc de soin sur Valérie. Et pourquoi elle a pris ça tout d'un coup là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non mais tout de suite les gens intolérants quoi, le mec il revient, il est pas bien. Tout de suite parce que c'est le petit gros, il faudrait qu'il ait mangé un truc dans la forêt. Ça me dégoûte cette intolérance. Cette grossophobie. Ah je me prends à rêver mais j'imagine que toujours pas, non. Bon bah du coup, bon j'imagine que Lola va partir se coucher vu qu'il est très tard hein, pour les enfants. Donc je pense qu'on va arrêter là ce soir et on continuera prochainement. Avec, nous l'espérons, beaucoup de roulettes. Et ce nouveau personnage donc qui a l'air sympathique. D'ailleurs, est-ce que je peux la prendre en leader ou pas? Ah mais je peux pas le savoir vu que je peux pas sortir de la ville a priori. Quoique si. Ah mais y'a Tix! T'étais passé où Tix? Ah je peux même tellement pas changer de leader que ça lui pète à la gueule quoi. C'était bien carré pour changer. Ah ouais c'est carré mais ça marche pas. C'est bien dommage. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour ce soir et la suite au prochain épisode. On ira voir le passeur qui a sûrement une magnifique roulette à nous présenter. Bonne nuit à tous et merci et à bientôt. Au revoir.